What up guys, c'est LP, bien dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve sur Slime Rancher. J'étais en train de tourner tout simplement une vidéo sur Subnautica mais le jeu plante tout le temps. Ouh, c'est frustrant hein? Donc j'espère que vous avez apprécié le premier épisode de cette nouvelle série. Moi j'étais vraiment content qu'on puisse commencer cette nouvelle série sur un jeu comme ça. Et il est très le fun ce jeu, donc ça je suis vraiment content que si ça vous a plu. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, je sais pas encore. Je vais probablement ramasser quelques petites ressources. Et peut-être qu'on va essayer de ramasser des nouveaux slimes et peut-être d'utiliser cette fameuse clé qu'on a juste ici qui est tout simplement pour ouvrir un nouveau passage, un petit passage que j'aimerais bien aller et je vais vous montrer ça dans cet épisode probablement. Allez les amis, mangez ça, vous allez avoir plein de force, je vais vous laisser ça ici. Qu'est-ce qu'ils ont mes poulets? Ils vont bien? J'espère que ouais. Ouais, on doit aller bien. C'est plutôt cool, ça fait toujours du bien de savoir que ta famille un peu, parce que c'est ma famille et mes poulets hein, qui est super bien, ça fait super, c'est super cool. Partons à l'aventure les amis. Allons-y, let's go. Les amis, ok, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On va regarder, jeter ici, boum. Oh, on a quelques petits trucs, mais pas trop intéressants. Je veux pas remplir mon inventaire parce que j'ai un petit problème avec ce jeu. C'est que, par exemple, vous avez juste ici 20 pogo fruit. Et bien, vous pouvez pas avoir, par exemple, dans l'inventaire 2 juste ici, bien, vous pouvez pas avoir 20 autres pogo fruit. Oh! Quoi? Attendez, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais vous expliquer. On a le Gold Slime, un Gold Plort. Oh mon dieu, les amis. Un Gold Slime a spawné, j'étais pas là. Et il a mangé tout simplement de la bouffe. Et il a droppé le Gold Plort. Ah, c'est malade. Oh, j'aurais bien aimé par contre le voir. Oh, attention, danger. Le retour du danger. Attention, on va peut-être se faire attaquer. Est-ce que quelqu'un. Attends, on va les attirer. Est-ce que quelqu'un? Non. Allons-y par là-bas. Donc, oh mon dieu, ça a tellement changé. Let's go, on va ouvrir cette zone. Donc, j'ai un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, fais-toi plaisir, je te laisse manger. Attention. Et... Ah, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Hein. Allez, let's go. Oh! Mon slime préféré. Let's go, on va le ramasser. Oh yes, un puddle slime. Ah oui, le water tank. Donc le water tank, on va le remplir. C'est tout simplement pour... c'est un peu comme un gun, c'est vraiment pour les tares. Parce que les tares, une espèce de truc qu'on avait vu dans le dernier épisode, et ben ça n'aime vraiment pas l'eau. Donc vous tirez de l'eau et tout simplement vous êtes protégé. Oh, un nouveau chicken. Est-ce qu'on le capture? Oh oui, je pense que oui. Ah, attendez. Eh, hey, y en a un. Vous avez vu? Deux fois! Depuis le début de l'épisode! Oh mon dieu, mais c'est tellement mon jour de chance avec Subnautica qui me faisait planter. Il fallait vraiment. Le jeu me disait vraiment, genre, non, arrête de jouer à Subnautica, va jouer, va-t'en sur Slime Rancher. Eh ben, je suis content d'avoir pas abandonné, de pas avoir fait de vidéo aujourd'hui. J'ai bien fait de partir cette vidéo. Ok, donc on a des honey. N'ayez pas peur, c'est pas des Golden Slime ceux-là. Ils sont moins scintillants que les normaux. Ils sont très intéressants ceux-là, on va pas les capturer pour le moment parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Mais on va bientôt les capturer. Les Honey Slime, leur bouffe préférée c'est les Mint Mango. Donc c'est des mangues à la menthe. Et ils aiment tout simplement tout ce qui est fruits. Et ici on a les Explosive Chicken. Leur bouffe préférée c'est les Briar Hand comme ici. Je vais pas leur donner par contre. Et bah, ils aiment tout simplement tout ce qui est viande. Seulement. Ok, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ah, le téléporteur. Donc, vous voyez, quand on passe par le téléporteur, tadam! Par contre, on peut pas retourner, ce qui est un petit peu dommage, ça serait trop facile, mais c'est simplement très, très cool. Est-ce qu'on les vend, les plorts? Sérieusement, je m'en fous un peu des garder, c'est pas tant important. Vous me crierez dessus dans les commentaires si j'ai fait une mauvaise chose, mais c'est pas tant important non plus de les garder. En plus, j'ai besoin d'argent, donc. Let's go. Donc, on a un puddle, comment ça s'appelle? Un pond. Donc le pond, pourquoi est-ce que je l'ai fabriqué? C'est simplement pour mettre les puddle slime. C'est là qu'ils vivent. Est-ce que je peux rajouter de l'eau? Non, ok. Donc c'est tout simplement là qu'ils vont faire nos... qu'ils vont faire les petits trucs. Et j'ai appris que tout simplement ils pouvaient être que 4. Sinon ils voulaient pas faire des plorts. Donc on va les laisser... Ici, on a tout simplement le Plort Collector, désolé pour mon accent de merde, qu'on avait fait dans le dernier épisode, à la fin. Et tout simplement, ça va récolter ben, les Plorts, comme ça le dit dans le nom de l'amélioration.
et ça les stocke. Donc vous partez et vous faites plein d'argent facilement et vous avez pas, ils n'ont pas besoin de traîner, ils vont tout simplement être aspirés. Dans cet épisode, qu'est-ce que je veux faire, c'est ramasser assez d'argent pour peut-être me rendre dans cette place-là. Je voulais vous montrer donc Overgrowth, que j'avais dit que je le ferais dans le prochain épisode, qui est aujourd'hui. C'est tout simplement la place qu'on a vue dans l'épisode parce qu'il y avait une espèce de champ de force rose. Donc je vais aller ramasser un petit peu de bouffe, en fait, des poulets. On va prendre notre famille de poulets. Je suis désolé, on va quand même en garder quelques-uns, mais on en a besoin tout simplement pour nourrir les gros tabis. Donc les tablis largo, je pense que ça s'appelle. Et ça, on en a besoin pour qu'ils explosent simplement, parce qu'on aime bien tout ce qui explose, explosion de tabis. Et tadam, c'est lui que je veux débloquer. Allez, on lui donne sa bouffe préférée. Il va bien aimer ça et je pense même que ça va être assez. Ah non, même pas assez. Par contre, je vais pas me faire chier, je vais attendre un petit peu. Attention! On a les tares. Attention, regardez ça. Vous voyez? Attention. Let's go, on les sauve. Sniper Elite. Brrr. Je t'ai ramené deux petits copains, des Stony Hands, si tu veux manger un peu. Non, c'est pas assez. Donc, si vous avez des astuces, plein de conseils, dites de ce que je pourrais faire, dites-le dans les commentaires. C'est vraiment... gênez-vous pas, parce que j'ai pas vraiment de commentaires sur mes vidéos. Hein. Donc, peu importe que vous avez quoi que ce soit à dire, eh bien, dites-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de lire et même de vous répondre si vous avez comme demandé une question. Parce que je vais pas vous répondre si vous dites... allô. Ben, oui, en fait, je vais vous répondre, mais vous comprenez, si vous me demandez une question, mais je vais probablement y répondre. En fait, je suis sûr et certain que je vais y répondre. C'est pas comme si j'étais ultra occupé. C'est pas comme si j'avais 10 000 commentaires à lire. En fait, ça va être un. En fait, j'ai jamais de commentaires. C'est triste. Donc, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Juste un instant. Donc, je vais simplement faire un mix. Non, par contre, peut-être pas avec ce type. Attendez, je vais vous montrer. Donc, on va aller chercher un honey. En fait, des honey plorts. Et on va les mixer avec les pierres. Donc on va faire un petit peu plus gros, je vais regarder sur le petit truc, ça s'appelle des largo, non des gordo. Ok, donc on va faire un largo bleu et doré un peu, donc miel, donc honey et stone, rock, désolé. Ok, donc on est de retour à la base et je vais simplement donner le honey, donc vous allez manger et boum, vous voyez, ils se transforment, donc techniquement, ils vont probablement manger un petit truc et vous voyez, ils donnent des honey, donc simplement ça va se partager les petites crottes. Let's go. Vous allez manger. Et comme ceci. Et vice-versa, jusqu'à temps que ce soit rempli de ces fameux grosses affaires. Ah, attention. Faites pas mal, s'il vous plaît. Ok, tiens, j'ai un petit peu de bouffe pour toi. Je sais pas si tu vas aimer le Helder Hand. Non, tu t'en bats les couilles. Ok. Là, c'est le temps d'exploser. Allez, allez. Mon Dieu, les explosions. Allez. En plus, je pense que les chats, ils aiment beaucoup nager. Hein. L'eau, c'est leur passe-temps favori. La natation, plutôt. Allez, où est-ce qu'on est? Oh non! J'ai débloqué ça pour ça? Ah merde! Je suis con, moi. J'ai pas encore débloqué la place. Merde. Bon, ben, il va vraiment falloir que je ramasse plein de plorts et on va se faire... on va se débloquer cet endroit. Let's go. Et donc, les amis, j'ai enfin ramassé assez de ressources. On est prêt pour ouvrir cette fameuse section. Mais avant, on va dormir parce que... On va faire un petit dodo dans notre magnifique maison. Let's go. Et enfin, mesdames et messieurs, regardez ça. Yes. On a des fruits, plein de place pour fabriquer des nouveaux plorts, des nouvelles installations, des carottes, des trucs comme ça. Oh my god, et on a des téléporteurs. Et donc on a un téléporteur juste ici. Et on en a un, mais pas un téléporteur, mais un raccourci juste ici. Donc on est vraiment plus ouvert au monde. Et ça va être encore mieux pour se déplacer. Et ce qui est fameux avec cet endroit, c'est tout simplement qu'on peut... qu'il y a plein de poulets qui spawnent normalement. Donc le poulet normal, et ben si vous en voulez, et ben vous en avez juste ici. Très facilement. Ok.
Oh non, non, non. Ok. Putain. Je vais emmener un peu de bouffe. Je pense qu'il nous en faut environ une cinquantaine. Je sais pas où est-ce que je vais trouver ça, mais bon, on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce un appel de Waterman? Oh que oui! Let's go, je vais vous sauver. Y'en a d'autres? Allez! Tu touches pas, mes amis. Où sont les autres? Allez! Un autre mission accomplie par Waterman. C'est vraiment cool cet endroit parce que grâce à cette place, ben, on va pouvoir aller vraiment beaucoup plus vite à notre base et aller chercher les poulets. Parce que notre élevage est quand même à la base. Puisqu'on est retourné à la base, je vais tout simplement vous montrer ce que j'avais comme intention de faire. Donc je vais faire des gardens. Donc un garden de Heartbeat. Un garden de Q-Berry. Tadam! Donc on a plein de petites nouvelles ressources. Attends, j'ai 20 chickens, fait que t'es mieux de bien les apprécier. Merde! Revenez ici. Ok, c'était pas les bonnes affaires. Allez. Comment il fait pour manger autant? Waterman, à la rescousse! Yeah! Boum! Allez. Boum. Une autre mission réalisée par Waterman. Où en sont nos petits amis juste ici? Ils ont l'air de bien aller, mais j'ai un petit truc que je vais peut-être faire. C'est l'auto-feeder. Ah non, je vais peut-être attendre parce que je vais garder un petit peu dans mon argent. Ça va leur donner la bouffe automatiquement. Je sais pas si ça pourrit la bouffe par contre. Je pense que non. Mais c'est toujours cool d'avoir un petit peu de bouffe stockée. Tiens, 4 poulets, ça va te faire plaisir ou... T'en as encore besoin? Ok, ouais. Ouais, c'est tout à fait normal. Hein. Après 4 poulets, sûrement... C'est quoi? Dans la vraie vie, sûrement, 4 poulets, c'est quoi? Tu sais quoi? Ah oui, c'est ça. C'est l'intestin qui a explosé parce que, tout simplement, tu peux pas survivre avec 4 poulets. Je pense même pas. Hein. Si vous réussissez à faire ça, vous êtes des pros, mais... Faites pas ça. Ça va juste vous donner une indigestion. C'est totalement con. Oh! Reviens ici, toi. Allez. Boum. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Un téléporteur. C'est quoi? Ça va vers où? Quel est cet endroit diabolique? What? Oh mon dieu. Des puddles. On ramasse ces puddles. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Une espèce de crotte. What? C'est tombé cool. Oh mon dieu. C'est quoi ça? On passe dans un arche. Oh mon dieu, que ce jeu est tellement beau. Oh! On a un nouveau slime, juste ici. Et bien, vous savez qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode, hein? Tiens-toi bien, toi, tu vas bientôt exploser. Oh mon dieu. Avec 3 munitions, est-ce que je vais réussir? Merde. Ok, non, je réussirai pas. Mais par contre, j'ai pas besoin nécessairement de mon gun. Il me faut juste la confiance. Vite, reviens. Non, tu me touches pas. Va-t'en. Oh non, t'essaies pas de revenir. T'aimes ça jouer le malin avec moi? Allez, reviens. Ouch! Ok, est-ce que je les ai tous sauvés? Non. Allez, on va aller. Merci.
Et une autre mission réalisée par Waterman. Oh, il est là. J'ai lu cette fois-ci. Enfin. Yes, j'ai réussi, il fallait avoir de la viande. Yes sir, ça c'est super bien pour... Il y en avait un autre. Oh mon dieu. C'est épique ce jeu. Donc simplement je me suis renseigné et il fallait de la viande. Et en plus ça finit super bien l'épisode. Ouais, fini, pas tout de suite fini, mais bon. On va bientôt s'arrêter pour cet épisode. Ok, on est de retour à la base. Comment se portent mes chéris? Très bien ici, très bien ici. C'est super. Allez, vous allez pouvoir manger ça. Je donne ça. Et les Paul Slime. Tenez, je vous ai ramené tous les petits amis. On va ramasser vos plorts et on va voir combien ils valent sur eBay. Allons-y. Oh, 39, c'est bien ça. Yes. On va mettre ça ici. On ramasse les mints. Hop. On va faire un petit kiff, on va s'acheter ceci. Ceci. Et... puisqu'on est sympa, on va leur acheter une petite music box. Pour mieux s'entendre. Par contre, là, on n'a plus d'argent. C'est pas grave. On leur a fait plaisir. Et tenez, j'ai plein de bouffe pour vous. Bon. Et bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Dans la prochaine épisode, on va probablement essayer de débloquer des nouvelles zones, attraper de nouveaux slimes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était LP. Ciao!